Je reviens sur une vidéo alors que je voudrais reprendre. Alors vous verrez sur la deux. C'est froid? Tu viens. Un peu chauffé quand même. Que sur la deuxième partie, je suis comment? J'étais habillée comme dans le all nose. Voilà. Donc même dans la seconde. Parce que c'est en plusieurs étapes. Donc, vous verrez dans une, deux ou trois étapes, je suis comme dans le all nose. Voilà. Sauf ben, celle-ci et la dernière qui sera pour vous montrer la finition de l'album. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà. Donc, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire une erreur de frappe en mettant la vidéo du all nose. Et j'ai dû supprimer, voilà. Donc, une chance que j'ai pas supprimé au moment que, voilà, la deuxième pause, enfin, la deuxième partie du moment de pause où que je collais, voilà, pour vous faire voir comment je pose, enfin, comment que je colle pour assembler l'album. Voilà. Donc, sur ce, nous allons tout de suite finir, hein, bien sûr. De toute façon, c'est déjà collé, donc. Je vais reprendre juste là où je me suis arrêtée. Alors, il doit nous faire, si je ne me trompe pas, il nous fait 20, 20,5. 20,5 et en longueur, 17,5 aussi. Voilà, 21,5 et 17,5. Donc, j'ai collé. Alors, je vous montrerai après la fin. Et je reprendrai comment la vidéo. Parce que si je vous montre. Enfin, tout d'abord, je vais vous. Voilà, j'ai collé une partie. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé une partie. Voilà. Donc, nous allons coller la deuxième. Qui nous fait 12 pochettes, je pense. Une, si je ne me trompe pas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Non, il y en a 11. Donc, il y en a 11 pour ce coup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et 11. Voilà, il y en a 11. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser, c'est de mettre, voilà, nous allons mettre de la colle. Ça colle tout, voilà. Alors ça colle pour papier et tissu, pour bois, terre cuite, voilà. C'est très bien. Voilà, j'avais pris au marché des affaires. Donc, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est mettre de la colle. Donc, hop, nous sommes partis, on met partout. Voilà, comme ça. Bon, j'avais collé déjà la première partie, comme je vous l'ai dit, la première partie, déjà, sur une face. Vous laissez, comment, coller toute une journée. Voilà. Donc, hop, et donc là, c'est le plus dur. J'ai mis de la colle. Maintenant, enfin, en espérant que j'en ai mis assez, parce que j'ai pas envie. Voilà. Voilà, hop, ça suffira. Donc, maintenant, hop. On rejoint les deux. Voyez comme ça. La colle est ici. Vous voyez, hop. Je vais prendre ça comme ça. Et hop, je mets la main dedans. Donc, au mieux, c'est qu'il faut bien manipuler. Voilà. Hop. Alors, faut prendre la même distance que
que l'autre. On va mettre du... des petites pinces comme ceci. Voyez, hop. Alors, c'est pas facile. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas évident. Certes. Donc, je vais mettre une pince ici. Vous voyez, une pince. Je vais en mettre une autre. Ici. Voilà. Comme ça, de l'autre côté, pareil. Nous allons mettre des petits trucs comme ça. Voilà. Mettre bien bord à bord. Et là, je ne peux pas l'ouvrir. Attendez, hop, c'est pas là, c'est là. Vous voyez la colle, je me trompe, je me gourre. Donc c'est pas grave. Hop. Voilà. Et en mettre une autre ici. Voilà, comme ceci, voilà. Alors à mon avis, il va falloir patienter, voilà. Bah, pour la couverture, j'ai fait des découpes comme ceci. Je les ai collées, j'ai mis des petites perles que vous voyez là. Là, ce sont des petites, je vous montrerai, une petite découpe. Là, et là, je vous montrerai ce que c'est. Ce sont des petits papillons. Non, là et là. Désolée. Voilà, là, j'ai mis du ruban dentelle pour la tranche. Alors, la tranche, elle nous fait... Elle nous fait 8. 8. 8. Et en longueur, elle nous fait... Ça glisse un peu. Hop. Elle nous fait 17. Voilà. Alors, j'avais dit 8, c'est ça? 8, 8 et 17. Voilà. Donc, pour la tranche, j'ai mis des petits papillons collants. Comme ceci. Ils sont super jolis. Alors, je pense que je les avais pris chez Auchan. Ça, c'est chez Action. Des petits rubans à découper. Voilà. Sur la deuxième face, j'ai fait comme ceci, du tamponnage. Vous voyez, hop, comme ceci. Je vais peut-être un peu remonter. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, et là, j'ai fait une... Bon, c'est... Ça tient par le truc, hein. Je suis désolée, je vous montrerai ça une fois.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les petites pinces comme ceci. Vous voyez, les petites pinces étaient attachées de deux côtés. J'en ai mis deux là et deux en bas. Voilà, donc je les ai enlevées, j'ai laissé ça reposer toute une nuit. Voilà, et puis donc, ben, écoutez, maintenant, ça nous fait ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Très bien. Voilà. Donc maintenant, je peux vous montrer ce qu'il y a. Voilà, donc, hop, ouverture, comme ceci. Comme on peut le voir. Comme ça. Et donc, les petites cartes que je vous ai montrées, hein, il y en a 11. Donc, dans l'album que je vous ai montré, dans la deuxième partie, il y en avait 12. Il y avait 12 pochettes, 12 cartes. Et là, j'en avais 11. Voilà, donc, je vous ai déjà montré. Hein, voilà, comme ça. Et puis, j'ai une belle petite photo, ou des petites photos, pourquoi pas, avec des petits. On peut faire ce qu'on veut. Hein, après, là, on peut mettre un petit mot, ou rajouter des photos, ou ce qu'on veut, en fin de compte. Hein, voilà, ce qu'on désire. Ensuite, on vient les mettre à l'intérieur. On vient les mettre. Hop. Voilà, le premier. Le second, pareil, c'est le même. Vous voyez, hop. Comme ça. L'autre aussi. Voilà, j'ai tout rangé, les petites cartes dedans. Vous voyez, hop, c'est sympa. Voilà, ils sont tous dedans, les 11. Voilà. Après, on peut y mettre des photos. Hein. On peut y ranger ce qu'on veut. Et puis voilà, hein, vista basta, tranquille. Hein. Tranquille, nous. Voilà, puis ensuite, on fait un joli petit nœud. Hop, comme ça, pas trop serré. Voilà un joli petit nœud. Voilà, comme ça. Voilà. Très joli petit album accordéon. Voilà. Très sympatoche. Voilà. Et pour finir, voilà, c'est la petite boîte de papillons, hein, vous voyez, que je vous avais montré. Alors, je ne sais pas lequel mettre que je vais pouvoir mettre sur la pochette de devant. Soit une comme ça, que je sais pas. Mais je préférerais mettre. Attendez. Peut-être une comme ça. Vous voyez, comme ça, là. Je ne sais pas. Voyez ici. Voilà, par là peut-être, ou là, tout dépend. Donc on va voir. Ils sont jolis. Ouais, je les avais payés 2 euros hein, comme à Auchan. Je sais pas, je vais peut-être mettre celle-ci, parce que les autres sont un peu trop grandes. Voilà, donc si on mettait ça là, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est très bien là. Voilà. Ils sont super en plus, hein. C'est des stickers 3D. Ça fait un peu ventouse. C'est super. Voilà, parce que les autres sont un peu trop grandes. Voilà, donc impeccable. Voilà, c'est juste parfait. Voilà. Donc je vous mettrai comment les mesures. Voyez, hop, voilà. Bon, je les mettrai peut-être en barre d'infos, comme ça vous serez tranquille pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc vous verrez bien, j'ai pas effacé le contenu. Enfin, les parties qui étaient plus importantes. Concernant l'album. Voilà, donc pour qui que ça intéresse, ben, il suffira de regarder le tuto. Voilà. Après, je vous dirai comment comment les pochettes aussi. Voilà. Donc
pas si compliqué que ça, mais bon, après, il faut avoir la main, puis c'est tout. C'est vrai qu'au départ, c'est pas facile. Voilà, mais après, bon, une fois qu'on a la main, c'est parti comme de rien. Voilà, quoi. Donc, ça fait un joli petit album. Voilà, hein, même à offrir, pourquoi pas aussi. Hein. Puis, vous pouvez le faire en n'importe quel thème. Hein. Là, il est sur le thème des papillons, parce que c'est printemps, été. Voilà, quoi. Puis, j'aurais pu rajouter des fleurs. Ou... Vous pouvez le faire sur le thème des fleurs. Hein. Sur le thème, pourquoi pas un album pour bébé. Baptême, ou alors mariage, pourquoi pas aussi. Sympatoche, ça sera encore plus joli. Vous voyez, donc là, voilà quoi. Donc là, ce sont des roses derrière. Ce que j'aime bien, c'est les découpes. Vraiment. Après, bon, il suffit de bien les coller parce que, voilà, soit vous prenez un petit pinceau, puis vous prenez de la colle. Ou si vous avez une colle avec un embout très... Mais bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous faire partager. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je vais faire une petite aparté. Donc, entre guillemets, bien sûr. Vous savez que le président a parlé, Monsieur Macron, et c'est le retour des écoles. Voilà. Donc, obligatoire. Il a bien dit obligatoire. Donc voilà, donc moi pour sûr, je vais peut-être la mettre, mais pas jusqu'au bout, peut-être, je sais pas. Mais je sais que je comptais 15 jours, je pense pas 15 jours d'école, hein, parce que compter comme le mercredi, peut-être pour les collèges, parce que moi j'ai mon fils plus jeune, parce que le plus vieux maintenant il a 16 ans. Donc oui, pour ceux qui sont au collège, le mercredi, après l'après-midi, il y a plus de cours. Donc même pour les écoles, le mercredi, il n'y a pas école. Donc on compte 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà quoi, 22, 23, 25, le 26, après 27, 28, c'est le week-end, on ne le compte pas. Après le lundi 30, ben après, bon, ben vous n'êtes pas obligé de les mettre après le 1 ou le 2 ou jusqu'au 3. Hein, parce que le 3 juillet, c'est les vacances. Voilà. Alors moi, je pense que même pas une semaine, je ne sais pas. Mais c'est risqué pour moi. J'ai vraiment la trouille. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai vraiment la trouille. Voilà. Donc, personnellement... Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai que c'est obligatoire, mais bon, voilà, je crois que ça lui a pris sur un coup de tête, là, au président, je sais pas ce qu'il a eu, mais ça fonctionne pas bien là-dedans, parce qu'on est presque à l'arrivée, à la fin de l'année, et c'est bientôt les vacances, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils vont foutre pendant une semaine, ben, rien que dalle. Bref, voilà, quoi, et puis, ben... ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais faire un petit break, voilà, donc après ce petit tuto, ben, vous ne me verrez plus pendant, je sais pas, pendant, peut-être aller, si c'est pas plus d'un mois, je ne sais pas, parce que bon, j'ai trop de choses en tête, vous savez, on a chacun notre petit souci, voilà. Le fait de plus voir sa grande aussi, ça fait quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, donc voilà, j'ai pas envie d'étaler, c'est pas, voilà quoi. C'est un peu compliqué, tout ça, c'est pas facile. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ben, ils ont bien de la chance, voilà. Mais bon, après, on ne choisit pas, hein, donc... moi, j'ai voulu faire des enfants, c'est parce que j'en ai, avec mon mari, on a voulu, c'était dans l'amour, hein, donc on les a fait dans l'amour, mais c'était pas comme ça, hein, donc non. Non, mes enfants sont tout, hein, même si la grande, voilà quoi, ça fait des choses, voilà quoi, bon bref, ça reste là, mais voilà quoi, même au-delà, mais ça reste mon enfant, ça reste ma fille, et puis... quand on a la foi en Dieu,
voilà, on peut pardonner, puis voilà, c'est quand on a l'amour qu'on porte à Dieu, voilà, on pardonne, il y a quelque chose de fort en soi, et puis il est là pour nous donner de la force, de l'amour. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Après, voilà, c'est compliqué. Bon, voilà quoi. Voilà, simplement pour vous dire que eh ben, vous ne verrez pas pendant quelque temps. Et puis, ben, si je ne viens pas sur vos chaînes, ne vous inquiétez pas, c'est pas je vous laisse tomber. Non, pas du tout. Au contraire, vous le savez très bien que je suis fidèle à vos chaînes. Quand je reçois tous vos notifications, hein, voilà, je vais sur chacun d'entre vous mettre un petit mot ou un petit like ou un petit j'aime qui veut dire que je suis passée, que voilà. Mais là, voilà, même pour les chaînes étrangères, voilà, il y a beaucoup de chaînes qui sont, voilà, ils sont abonnés à ma chaîne aussi, je suis abonnée à leur, et puis voilà. C'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont pas comme nous, au contraire. Voilà, donc parce que j'avais déjà reçu des commentaires en dessous de certaines vidéos qui me disaient pourquoi tu as souvent, il y a beaucoup de chaînes étrangères sur ta chaîne, etc. On est tous pareils, on est tous égaux. Voilà, je suis désolée, prenez-le comme vous voulez, mais voilà, c'est comme, voilà. Donc moi, j'accepte tout le monde voilà, comme ils m'acceptent. Voilà, donc simplement pour leur dire aussi que voilà, s'ils n'arrivent pas, comme moi, des fois, je ne peux pas, quand ils me laissent des commentaires, j'arrive pas, la traduction. Alors, je vais sur Google Traduction, et voilà, donc ils feront de même. Et donc voilà, ils pourront voir que ben, je ne pourrai pas, je suis désolée, pour l'instant je mets un point entre deux parenthèses, voilà, je vais faire un break, on va pas dire court, mais voilà, j'ai envie voilà, de me reposer un peu la tête, et puis voilà, faire autre chose, j'ai autre chose, j'ai beaucoup de choses à faire, donc voilà. Et puis il y a le déménagement aussi. Enfin, on n'est pas en déménagement, mais comme je vous avais dit, on devait trouver un logement et donc ça va pouvoir se faire parce qu'avec le confinement et tout ça, bon ben voilà, c'était pas possible. Et donc voilà, j'aimerais bien partir de ce logement parce que voilà, j'ai ma grande qui était ici, ça me fait beaucoup penser à beaucoup de choses. Puis il n'y a pas que ça, il y a voilà. La campagne, j'aime bien la campagne, mais j'aimerais être proche aussi. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Portez-vous tous bien. Désolée. Voilà. Des fois, ça m'échappe. Voilà. Bref. Et n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Et puis on se retrouvera quand vous me reverrez, c'est que ben voilà, j'aurai sorti une nouvelle vidéo. Voilà. Sortez la cloche, vous activez la cloche de notification. Voilà, vous likez. Si vous ne likez pas, c'est que vous n'aimez pas. C'est quand vous souhaitez. Voilà. Voilà. Donc sur ce, prenez-le bien. Comme je le redis, je reviendrai, mais voilà. Ce sera pas maintenant et sur vos chaînes voilà, je ne pourrai pas être actif, désolée, encore une fois, je suis désolée, je ne pourrai pas être actif. Donc cependant j'espère que tout se passera bien pour vous, voilà, dans le meilleur des mondes. Et puis bon, on se retrouve bientôt. Voilà, sur ce, bisous bisous. Je vous envoie ce cœur qui défile vers vous, à droite, à gauche, devant vous, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.